de la danse, du rire, du chant, une soirée entre filles parfaite. Hello, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Jenny et les plus intimes m'appellent Jen. J'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui je suis forme. Je suis réveillée depuis 9h30 et depuis 10h je ne fais que m'activer. Car aujourd'hui les gars, la vidéo c'est une soirée entre copines. Je vais recevoir en fait des copines à la maison, enfin bon c'est plus les copines de ma soeur. Je sais pas, c'est les copines de ma soeur mais c'est... tout comme mes copines, mais en même temps c'est pas mes copines, c'est plus comme des grandes sœurs. Enfin même en tout cas, on a une super belle relation. Et donc voilà, je les reçois aujourd'hui et je suis trop contente. Donc en fait, on a décidé de faire à tour de rôle d'aller dîner chez chacune. Donc en fait, en gros, on fait un dîner presque parfait entre nous. Parmi les copines, parmi cette team, nous allons recevoir Amanda Malela. Amanda, c'est la famille. C'est vrai qu'on la voit pas souvent parce que c'est une star. Et donc, elle a une vie de star. Donc, elle est très occupée. Elle voyage énormément. Et donc, aujourd'hui, j'ai réussi à la catcher. J'ai réussi à l'attraper. Et donc, elle sera présente parmi nous. Restez scotchés. Là, je vais aller me doucher, m'habiller et je vous reprends. Donc là, je prenais ma douche. J'étais en train de faire pousser la chansonnette. Je me prenais pour Mariah Carey et la quoi, la sonnette retentit. J'ai dû me préparer en 2 temps, 3 mouvements. C'était la folie. Notre star, oh Seigneur. Oh, on a dit homme flic, elle est venue homme flic. Oh là là. Oh, 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 quelle frappe. Alors déjà, je peux ouvrir la porte quand tes convives arrivent. Là, je te demande de la bouteille. Ouais. 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 Elle est juste là. Nous avons été invités aujourd'hui chez Jenny. Mais nous ne savions pas qu'il fallait porter l'uniforme. Mais non. Mais n'importe quoi. Voilà, l'uniforme. Bon, non, je vais expliquer. Attendez. Ce n'est pas fait exprès, ok? Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elles sont venues habiller de la sorte. On sait pas I don't understand. Mais c'est pas vraiment la même chose. Ouais, bon, je sais pas. C'est un petit modèle. Elle a mis mini. Ça, c'est des grands modèles. Grand modèle. Mini. Ouvrir de la jambette. Tu vois? Tourner. Quasi tourne. Demi-portion tournée. Hanche. Voilà. Elles sont plus pareilles que moi, hein? En tout cas, voici Léa qui est venue, même pas maquillée. Ça fait 1 heure, à peine elle est rentrée, direct, pop, direction la salle de bain pour mettre ses fossiles. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça, Léa? Bien sûr, ça dépend de comment on voit les choses. Je vous présente Soumaya qui attend un petit bébé. Petit garçon? C'est un garçon? T'es pas au courant? Elle est enceinte de 5 mois, on dirait qu'elle est enceinte de 1 minute. Toute belle. Je vous présente ma sœur, Patricia. Oh là là. Totalement dans le thème en flic. Oh là là. Mère de 5 enfants. 5, s'il vous plaît. Oh là là. Oh. Eh là là. Eh. Eh Seigneur. Elle est célibataire. Au cas où. Je vous présente notre star, Amanda Malela Mbouye. C'est elle. Si c'est pas elle, c'est qui? Notre star, Amanda Malela. Hé là là. Hé là là. Hé. Hé là là. De plus près. Oh. Seigneur de Sada, mère de 5 enfants. Oh là là. Regardez-moi cette taille mannequin. Wouh. Sada. Quelle beauté. Quel corps. Mais quelle taille. Regardez-la. Je vous présente Stéphanie. Oh. Ça c'est la jalousie. Regarde. 880. Je vous présente Stéphanie, alias Testé, la femme de mon frère. La femme de son frère. Ah, c'est elle, Testé. On l'a validée. 1000/10, c'est pour elle. Ouais, c'est bon. Je vous présente Félicia, notre secrétaire de direction, notre office manager. Elle est tout. Directrice, c'est elle, Madame Merco.
c'est elle. Elle se balade en Mercedes. Elle a la classe de Dallas. Je vous présente Malaika. La belle Malaika, ma twin. Elle me ressemble comme si nous venions du même ventre. Elle est là. Elle est grande, elle est belle. En chaussettes, toutes aux petites rouges. Fais le behind the scene. Moi, j'arrive pas à me fonder dans Patricia ici. Le behind the scene. Moi, je voulais venir ici. Mais vous êtes trop géant. Hey, hey. C'est vous qu'on ne voit pas. Non, on ne voit pas. You went to catch it. They calling me baby. Made us say my name. Est-ce qu'il est comme dans le film? Ils sont comme ça, non? Voilà, c'est un jour. Je suis obligée d'enlever la musique pour les droits d'auteur, vous savez bien YouTube, c'est comme ça et nous on respecte la loi. Je ne vous ai pas présenté cette créature avec sa jupe volante cerf-volante. Voici Léa, mère d'un enfant. Regardez-moi comment elle danse. Waouh, quel déhanché! Elle est de toute beauté. Franchement, quand je nous vois comme ça, je me dis, mais c'est trop, on aime trop rigoler, on n'est jamais sérieuse. Oh, c'est la folie totale. Les batteuses de danse. My God. Mais moi, je fais la nourriture parce que sinon, on va jamais manger là, en fait. Donc, amusez-vous. Moi, je... Allez-y. Voilà. Chaperon rouge. Tu vas être viré. Je vais te virer. Donc, je m'occupe de faire la nourriture. Hein, sinon, ça ne va jamais... On va jamais manger. Il est 20. Quelle heure il est? Donc là, on est enfin passé à table après avoir dansé, fait des photos, des vidéos, rigolé, parlé. Franchement, c'était dur. On s'est enfin mis à table. C'était tellement la folie que j'ai complètement oublié de filmer le repas, de vous montrer ce qu'on a mangé. J'avais fait des tagliatelles aux scampi, aux tomates. C'était vraiment bon. Mais malheureusement, je n'ai absolument rien filmé. Oh mon Dieu, j'ai toujours un souci avec la direction. Je ne retiens jamais le sens des pas. La good vibes était tellement forte que je faisais n'importe quoi. Tu me notes de combien? 11 sur 10, merci beaucoup! Moi, oui, ils sont menacés. 15 sur 10. Un 15 sur 10, ah, merci beaucoup! Un du neuf roulement! Voici ma soeur! Patricia! Exactement 2h du matin, les filles viennent toutes de partir. C'était une soirée vraiment top. On s'est bien amusé, on a bien mangé, on a bien rigolé. Donc là, je vais tout nettoyer. Voilà. Je sais plus parler là.
Il est 2h du matin, j'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots, je n'arrive plus à trouver mes mots. Je suis tellement KO. J'ai qu'une hâte, c'est d'être dans mon lit et de ronfler. Mais là, je vais m'occuper de ranger encore un peu, de faire la vaisselle. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager cette vidéo avec vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente, ça fait toujours très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.